Tous mes directs que je fais, je pense que c'est mon compte qui m'est abonné. Bonjour, 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 vous êtes là? Là, je suis en direct. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Tout à l'heure, je pense que c'était flou, je ne sais pas pourquoi. Une lâche en direct, s'il te plaît. Maintenant, vous me voyez bien? Ça, c'est l'autre modèle de la coiffure. C'est des perruques de tresse. Perruques de tresse, ça chausse dans ta tête comme un bon chapeau, là, adhère à ta tête. C'est des perruques de tresse. C'est des perruques de tresse. Handmaker, faite à la main. Un bon chapeau, là, adhère. Diana, tu es là? Diana, tu es là? Tu voulais voir l'autre modèle? Il y a deux modèles. Il y a celui-là. Il y a celui que vous avez vu hier. Que voici. C'est vraiment un chapeau. Hein? Une petite queue de cheval. Yeah. Handmaker, fait à la main. Vraiment, là, je vous dis là. Si c'est sans qu'il y ait même finition, ma bé. Net, net, topissime, quoi. Topissime, topissime. Topissime. Alors, vous êtes là? Est-ce que vous me voyez bien? Maintenant, c'est moins fou. Je pense que c'est le téléphone là ou le cellulaire qui a un problème. Je pense. C'est moins fou. Partagez, partagez. Je suis ici pour parler de notre événement. Attendez que je partage aussi. Et vous pouvez appeler hein, au 1-514-915-0160. Plus 1-514-915-0160. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Vous pouvez appeler pour qu'on en parle. Si vous avez des questions et tout sur l'événement de la Journée internationale de la femme, 5e édition célébrée par Amis sans frontières et Mouvement Galactique, que je suis. Voilà. On a la vidéo de promo qui est sortie, donc c'est un vendredi, c'est un vendredi. Vous qui travaillez, commencez déjà à placer le congé de ce jour-là, parce que ça va aller trop vite. Et notre Kim Kardashian sera des nôtres encore. Voilà. L'acteur va retourner sur du crime. Partager la vidéo et une note pour la coiffure. Hein. C'est un chapeau, une perruque de tresse avec afro en arrière. Je pense que s'il y a aussi d'autres idées, peut-être, je ne sais pas, là, mais pour le moment, c'est deux modèles qu'il y a. Celui-là et celui-ci que j'ai mis sur la vidéo. Attendez, je vais vous passer un peu la vidéo.
Merci Plekeur, merci, merci, c'est gentil. Merci, merci, merci. Alors, je suis là pour parler d'un événement à venir, le quinquennat, bon chic, bon genre, de Célébrons la femme, 5e édition, édition 5. C'est lancer la promo non-stop. Ouais. OK? Alors, la dame, c'est une dame qui a ces perruques-là. Elle m'a offert les deux échantillons. Vive la Starmania. Maman, le goût de la Starmania. Donc, elle les vend, les deux perruques, les deux modèles. Elle les vend. Donc, elle m'a offert deux modèles pour faire la, hein, pour vous faire connaître aussi ça. Voilà. C'est un peu ça quand on est suivi par des étoiles de followers comme vous, voilà. Et maintenant, je me charge de lui faire la communication dessus. Et comme ça me va comme un gant, hier, j'étais au Chilinganda, tout le monde était « Ah, Mav, je veux. » J'ai seulement dit « J'espère que ces dames, parce que c'est des perruques qui sont faites à la main, ça prend 3 jours pour confectionner une. » Mais croyez-moi, c'est garanti à vie. Voilà, quand tu décides que tu veux être bien naté, tu portes seulement ta perruque, tu es naté, hurrah. Ou bien, garantie à vie. C'est pas les choses qu'on parle là. C'est tellement travaillé. Ils ramènent que... Pas les shintok qu'on voit là que... On met un tulle devant, tu découpes le tulle et puis tu colles sur ta tête. Puis c'est shintok. Hein. Pas ce que les shintok font avec les machines. Ça, c'est à la main. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, contactez-moi. Vous avez juste à m'envoyer un inbox, ça. Et puis, voilà, on va vous faire suivre votre perruque. Ça vous donne l'idée du prix. Et voilà, c'est ça. En ce moment, le stock est très, très limité parce que ça prend 3 jours pour confectionner une perruque. Ce n'est pas le bac-bac-jo, ce n'est pas le bep-bep-bep. Parce qu'elles prennent le temps de natter une après l'autre. Après, elles prennent le temps de les monter sur... Oh, maman, le chef-d'œuvre, je vous dis. Attendez, je vous montre d'abord la vidéo de celle que j'ai portée avant-hier, que vous avez aussi tous aimé et que j'ai eu 8 commandes, parce que c'est 8 commandes que j'ai eues pour la perruque d'avant-hier. 8 commandes, 8 comme ça. Hein? 8, voilà. J'ai eu 8 commandes. Voilà. Fait que les grosses là, quelles grosses, attends. Je vais d'abord vous faire voir... attendez, je finis mes partages. Je ne vais pas partager sur ma dernière page. Attendez. Je vais à ma page, je partage et après, je vous viens. OK? Ne vous en faites pas. Les partages doivent être faits sur les pages respectives parce que c'est comme ça. Ça fait partie de la promo. Vous comprenez? Voilà. Attendez. Non, ce n'est pas ici. Partager. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Comment je fais, je vais partager quelque chose sur cette page. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé dessus de la page. Voilà, là ça y est. Je ne comprenais rien. Là c'est fait. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Je suis là pour répondre à vos questions. J'ai mis le numéro de téléphone. C'est le +1 514 915 01 60. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour poser des questions par rapport à l'événement à venir le vendredi 8 mars 2019 à Montréal au 28 51 Victor Doré. Voilà.
2855, pardon, Victor Doré à Montréal. Donc, vous posez toutes vos questions. Ça va se passer un vendredi. Pourquoi un vendredi cette année? Parce que vous le savez si bien. Moi, je suis une femme de parole. Voilà. Et les personnes avec qui je me tiens aussi sont des personnes de parole. Donc, du coup, la star incontestée, ma Fleur de Lille, avait promis à vous, ces femmes, qu'elle reviendra cette année encore pour l'événement, pour le quinquennat. Voilà. Et de se faire... Libna, tu peux aller de l'autre côté, chérie, parce que tu me déconcentres, s'il te plaît. Merci. Elle avait promis qu'elle revenait cette année pour le quinquennat. Et de se faire, étant donné qu'il y a aussi le même événement qui est la Journée internationale, où elle sera aussi à Houston, organisée par Angèle Quenier. Donc, du coup... Mafo devait se diviser, voilà, devait se diviser. Enfin, c'est... Moi, j'avais pas le choix parce que voilà, après plusieurs tentatives avec Angèle de reculer la date et tout, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, je me suis mise le vendredi. Malheureusement, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, mes invités, mes honorables invités que vous êtes, de vous avoir donné, n'est-ce pas, de vous avoir, n'est-ce pas, fait subir l'événement le vendredi. Je suis vraiment désolée pour ça. Ce sera ma première fois de faire un événement vendredi, mais que voulez-vous? Quand tu planifies et que ça donne comme ça donne, tu es obligé de faire avec. Voilà. J'espère, et je sais, sans l'ombre d'aucun doute, qu'avec vous, ça devrait bien aller pareil. C'est juste aller dans votre calendrier pour ceux qui travaillent et commencer à voir vendredi, je quitte à 14h ou je quitte à 15h ou je ne rentre pas vendredi ou je ne sais pas. Et c'est exactement le jour mondialement connu de la Journée internationale de la femme. Ça se passe exactement le 8, le jour même que le monde entier entre cette journée dans l'agenda mondial. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans ce direct. Merci pour le partage. Merci mes étoiles de followers qui sont en ligne. Merci les sympathisants. Merci à toi qui regardes derrière la fenêtre, qui n'applique jamais sur le bouton on. Du moins, tu ne participes pas au direct, mais tu le suis derrière les rideaux. Voilà. Merci à toi aussi. Voilà. Je vais... Oh là là, le volume dérange. Peut-être qu'il me faut le volume. Non, c'est pas grave. C'est des messages qui entrent, vous voyez, mais c'est pas grave. Je vais laisser le volume parce que si quelqu'un veut appeler pour poser des questions, parce que je suis là pour répondre à vos questions autour de cet événement. Très jolie perruque. Merci. C'est une perruque de tresse. Handmaker. Je précise bien handmaker. Parce qu'il y en a qu'on vend, je ne sais pas, dans les body supply et tout là, puis il y a même le tulle dessus, mais c'est fait avec la machine. Hein, les chinois, vous savez, ils copient tout là. Voilà. Mais ça, c'est fait par les mains des femmes. Il y a des femmes, ça prend 3 jours pour confectionner une, vous voyez. Celle-ci que je tiens à main, je vais vous faire voir sa vidéo tout de suite, vite fait. C'est une vidéo pas très longue que j'ai fait l'autre jour pour vous montrer. Oh là là, les messages, ça n'arrête pas. Hein? Excusez-moi du bruit. Hein? Voilà. Alors, je vais vous montrer la vidéo de celle-ci. Elle est toute... voilà. Elle est là, celle que je vous montre, celle-ci là. Une petite queue en arrière, voilà. C'est une perruque de natte, faite à la main. Ça chausse ta tête, ça dit que ça chausse, c'est strong. Ça tombe pas, c'est strong. Ça chausse ta tête, quoi. Et puis, tu alignes juste les petites nattes de devant, là. Tu les alignes bien, droite, là. Vous voyez, c'est tout. Mm-hmm. Tu les alignes bien, là, voilà. C'est ça. Mm-hmm. C'est une perruque. Attends, je remets. Play, vous voyez. C'est toujours moi, là, avec celle-ci, celle-là. This one. Fait à la main. Solide. The strong one. Ça avale, ça boit toute ta tête. OK? Voilà. Vous me contactez inbox si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Mais le stock est très limité. C'est seulement ça que je vois. Tu regardes quoi? Attendez, je vais dans les commentaires. Il y a les abeilles perspicaces. Allez, coucou les abeilles, ça fait longtemps. Les abeilles perspicaces sont là. Attendez, je vais voir les commentaires. Estelle Julie dit quoi? Tu perds trop de temps. Je perds le temps. Merci de la AKC. Coucou. Coucou. Finalement, qu'est-ce que tu dis? Vraiment? Oh, ça salut. Finalement, j'ai rien compris. Tu perds du temps après c'est la COVID. AKC, c'est quoi? Hortense, tu n'es pas habitué à me suivre. Hein? Si tu ne veux pas, on en circule mon moment. On entend du zut. Non, non. Parce que ici, là. C'est les gens qui connaissent comment je fais. J'ai ma façon de faire. Donc, je pars, j'avance, je descends, je monte, je descends. Hein? Je parle, je joue, je joue avec les mots et tout. Donc, je ne suis pas quelqu'un de direct, de formel, de, you know.
Donc, excusez mon mieux, madame, si vraiment vous voyez que je mélange les choses. On m'a vu avec une belle coiffure, on m'envoie des inbox et je donne la réponse aussi ici parce que je sais que tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, oh, ma PDG s'est tressée, ou bien c'est comment, ou bien c'est si, je te dis, c'est une perruque et c'est à vendre. Oui, je suis faite au point comme celui que ça choque ou quitter. C'est tout. N'importe quoi que je vois, je fais. Ce que je vois pas, je ne fais pas. Ça dérange où? Mon énergie au ré, au djanga. T'es quoi? Et celui qui casse ma maison, il y a un maçon, il a en fait faire les travaux. Ouais, okay. Autant sa liste là, c'est une vraie profil même. Pardon, les abeilles, affairez-moi. Mes étoiles de followers, vous qui me suivez là, affairez-moi, pardon. Est-ce que c'est un vrai profil Hortense là? Parce que moi, je suis ici pour parler de l'événement qui arrive le vendredi 8 mars 2019. C'est la journée internationale de la femme mondialement connue. Voilà. Maintenant, je vais maintenant vous parler du thème. Parce que chaque année, il y a un thème. C'est l'ONU qui donne le thème. Je répète encore, c'est l'ONU qui donne le thème. Nous faisons cet événement par rapport à l'ONU. C'est l'ONU qui donne le thème de la Journée internationale de la femme. Et moi, je m'attache toujours au thème de l'année avant de partir, you know, même s'il y a une table ronde, même s'il y a de la couverture médiatique ou des informations à donner autour de ça, je m'en tiens au thème de l'ONU. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et cette année, le thème est déjà sorti, le thème de la Journée internationale de la femme. Donc, c'est l'ONU qui le décide chaque année. Moi, pas le genre que j'ai choisi le thème moi-même. Comme il y avait les gens souvent qui aimaient choisir le thème. Non à la ceci, non à la cela. Oh, comme ça pour ceci. Du jour au lendemain, il change comme ça. Non, moi, il ne change pas. Il reste avec le thème que le monde entier décide qu'on doit suivre pour l'année. Vous voyez, non? Voilà. Quant aux têtes de mort, ça va être votre dernière fois de voir la belle tranche de la femme bio que je suis. Voilà. Parce que si vous passez votre chemin, ça ne dérange pas. On n'a pas besoin de vous ici, là. Vous a sonné. Vous pouvez passer tout doucement. Voilà. Alors, la Journée internationale de la femme, le thème 2019, c'est l'égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes et le changement par l'innovation. Bijoux. L'égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes et le changement par l'innovation. Vous avez aujourd'hui quoi? Je parle en baranté. L'égalité par ligne de pensée, ça veut dire dans nous quaramina. La journée internationale de cette femme dit que dans nous quaramina le quare des femmes, la pensée des femmes. Pas de bon dans nous quaramina. Voilà. Avoir égalité pour ligne de pensée. Donc dans ton quaramina. Bonjour. Ensuite, vous ben tout moi. Construction intelligente. Donc, moi, faut que tu sois mental, tu sois mindset. Donc, dispersion, tu sois aboyement, tu sois la construction intelligente. Donc, un coup de joie, tu sois zen. Un coup de joie, tu sois zen. Bonjour. C'est ce que l'ONU demande à nous, les femmes. Menzui Tchétchouine. Donc, les femmes, c'est Menzui Tchétchouine. Vous avez compris, non? Bon, ok. Il y a une personne qui va quitter ici. Attendez. Moi, là, ça ne part pas loin, parce que vous savez, non, ça ne part pas loin. Les gens là que je ne sais pas. Ça sera ta dernière fois de voir la belle tête de la maman bio que je suis, ma chérie. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas suivre longtemps sur des murs. Mais écoutez, on les met où on pense. Hein. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Adios, guapos, amigos. See you in the paradise if you have chance to come there. OK? Voilà. Adios, guapos, amigos. See you in paradise if you have chance to come there. For sick, I say, me, I'm gonna go there. I don't disturb nobody. I don't go to Facebook for nobody, déranger nobody. Donc, you're gonna see me in paradise. Aujourd'hui, non. Encore, là, ça, là, ce sont les gens qui sont en train de se perdre, des âmes en perdition. N'y a même pas de soi, aussi. Ou pas deux. Vous avez vu, non? Oui, c'est le thème que je vous donne là, ma chérie. Le thème est là. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ceux qui pensent dans leur tête de réparer dans la tête de leur semblable, ils disent que c'est ça le thème. C'est le thème de leur chambre, moi. Le thème de leur tête. Nous, on prend le thème de l'ONU. Nous, on est rattaché à l'ONU. Donc, les pépettes, les choses qu'on nous sort au carrefour, on n'est pas dedans. Voilà. Donc, c'est ça. Je vous ai donné l'explication, non? Je reviens. Non, ma vraie belle-sœur, je vais les enlever aussi. Parce que nous, mais on me connaît, non? Celui qui me regarde aujourd'hui n'est pas nouveau. Je ne suis pas en train de passer au bureau de l'ONU directement. Moi, je suis encore blablabla.
Donc, je fais mes choses comme je fais souvent. Quelqu'un arrive, me nuit, si je vois que son commentaire va trop me, essayer de me faire changer, me enlever, non? Il ne me voit plus. Ça, c'est un problème. Me souhaite tout de suite. Je recommence. Hein? Je vais donner en français, en parenté. Comme il y a des gens qui ne sont même pas, ils ne comprennent même pas. L'égalité pour ligne de pensée. L'égalité, hein? Ligne de pensée. Des constructions intelligentes. Donc, football show pour zone. Nous avons zone, vous avez mindset, vous avez tout, n'a pas de joie pour zone. Je vous me fais grin, je m'abrogue, je me est-ce que ça sera bon? Si tu fermes tes yeux, tu ouvres. Donc, construction intelligente. Bien joie. Maintenant, on dit le changement par l'innovation. Donc, il y a changé, donc, innover, tu vas changer même bientôt, hein? Il change, donc, tu grand, mon bro. Il change, bonjour, sois avec un bro, là, on dit. Comme joie. Le changement par l'innovation. Donc, va bien changer, bonjour, soit même grand mieux. Donc, les choses que la récréation, que tout ça, c'est terminé. On n'a plus le temps. Vous avez le temps pour ça, moi, que tu as le temps. Bien joué. Vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Je n'ai plus le temps. Voilà. C'est que j'ai cherché les gens en train de revenir. Maintenant, je me souviens tout de suite. Alors, à ceux-là. Je me souviens. Bonjour, non, maman. Elle avait la main en direct. Elle a ce moment direct, maman, souhait gentiment et poliment. Oui, ah bah que dit. Mais dis donc, est-ce que vous avez compris? Ou je traduis encore? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? C'est l'ONU qui met le thème, hein? Ce n'est pas les choses qu'on s'assoit au quartier, on dit là. Changer en banane. Change your mindset. You understand? Me in 2019, aussi cassé. I don't have time to go back again derrière. Moi, j'ai changé. Moi, je ne peux pas me trouver. Ah, un globe-trotteur, toujours entre deux avions. Cette année, j'ai dit, j'ai cinq conférences à faire. Ça dit que, on dit souvent, la Bible dit que appeler les choses inexistantes à l'existence. Oui, non. Je les appelle. Et moi, je vais faire cinq conférences à travers le monde en 2019. Toi, tu as appelé quoi qui va arriver? Appelle et tu te focuses dessus. Pas plus le temps à perdre. Je vous ai dit ça. Cinq, ma gosse, cinq dans cinq pays. Bon, tu as un moment, vous venez parler. Même vous parlez de terriblement et gravement, mais il va aller parler ça dans le monde. C'est facile. Ou bien? Karine dit qu'en français. Maman, il y a des gens qui n'ont pas compris. Marine Galloise, bonjour, maman, tu me dis non, maman, on veut. Voilà, c'est ça. La magie du patois, le goût de ça. Hé, Emilienne, non, franchement, parce qu'on fait comme parler en chinois ou bien en anglais, faut se casser. I speak you in English. We say that, let me speak you in English. Maman, faut se casser. My English is a little bit good. Faut se casser. Cathy, non, elle dit en français. Maman, je déchire, je français, je suis dedans. Anglais, je suis de parler trois langues. Banganté, français, anglais, pidgin même, c'est facile. Hey. Si elle ne fait pas le direct comme ça, je fais bonjour tout le monde. Fait le hymne national. Ton, 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 ton. Après qu'on finit, bonjour tout le monde. Alors je vais parler. Ouais. Une constipée, maman. Je parle, je vais, je sors comme je sors. Je ne suis pas là les protocoles, machin. Non, je suis moi, authentique. The authentic one, you know. Trop joliment, j'aime ta coiffure. Oui, c'est une perruque, c'est un chapeau. Je vends. Vous savez que ce que je vois, il fait, ce que je vois pas, il fait pas. Donc, la dame, elle le fait, une perruque se fait en 3 jours. C'est fait, ça chauffe ta tête. C'est-à-dire, ta tête boit ça. Tu vois, non? Tu chauffes ça dans ta tête. C'est comme si tu étais très, très aligné devant ta tête comme ça, là. Voilà. Parce que maintenant, on n'a plus le temps de s'arrêter pour faire 50 nattes sur la tête. Donc, on porte seulement la perruque Congo. Donc, on a seulement les belles nattes en bas, là. On porte la perruque Congo. Voilà. Moi, je veux vendre 10 000 perruques cette année. Amen! Cathy Nol va vendre 10 000 perruques cette année. On est déjà le mois de février. On est rendu le 8, le 9, ah 8, c'est que 9, le 9 février, et Cathy Nol va vendre 10 000, et depuis janvier, elle a commencé à vendre, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. On est fatigué, on est obligé d'appeler à l'existence les choses qu'elles existent, et elles vont exister. On est fatigué, moi, je ne veux plus m'embrouiller. Tu as compris? Moi, faut ou bon ne chou, moi, veut ou bon ne chou. Merci, Nouya, merci, mon chéri. Monsieur, tu as tu chou ne bas, tu chou ne bas. Je me suis dit, tu ne vas pas. Je suis dit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. C'est tout. Mais tu es content à circuler.
Marianne Turgot. Je mélange les deux, parenté français, même l'anglais. Attendez que vous lisez ça en anglais, c'est facile. Boumoutem. Equality for line of think. Pensez pas think, non? Honestly. L'égalité pour ligne de pensée. Attends, mais je prends, je n'ai pas traduit, c'est vraiment, c'est facile. Je ne prends pas à Google Traduction, je traduis, puis je vous lis ça. Il y a quoi? Il y a le raccourci de tout. Vous dites que quoi? Dans les mains comme nous, comme ça, là, que on n'est pas trop bon en anglais, on ne peut pas aussi parler. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas traduction. Je vous mets ça en anglais. Il faut aussi casser, if you don't understand, after that, I don't have nothing for do for you. Je peux mettre en anglais, je peux mettre en allemand, en français, en italien, you know, voilà. Mais tu as un jour là, à circuler, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pris pour maigrir? Ok, on va parler de ça après. Ça, j'aime bien. J'aime bien les gens comme ça parce que c'est la construction dans l'avancement. On n'est pas là pour perdre le temps. Qu'est-ce que j'ai pris pour maigrir? Je n'ai même pas fini de maigrir parce que comment on dit, ma perte de poids est graduelle. Hein? Je l'ai échelonné sur plusieurs mois. Je n'aime pas trop perdre et puis devenir une fois que tu vois, transformation extrême. Non, j'aime aller mollo, naïo, et puis je me sens bien dans ma peau, et puis ci, et puis ça. Allez d'abord Google Traduction. Attendez, même d'abord Traduction. Que? Moi, tu vois, en anglais aussi. Okay? Ou si vous êtes pressé, vous pouvez partir. Cassé. Traduction. Aïe. Voilà. Vous entrez le texte, entrez en français. Ah, c'est facile. Attends, c'est facile, vous parlez de quoi? Il dit que les gens ne vont pas parler de quoi? Nous tous, on va être bilingues. Attendez, je vais vous lire l'anglais là de ça maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Equality for line of thought. Comment font-ils J'avais dit qu'égalité. Moi, j'ai dit égalité. On dit equality. Equality for line of thought. Of thought. Thought. Pardon, ma chérie, ne me distrais pas. De l'autre côté, c'était très beauté. Intelligent construction. We need to do the intelligent construction. Intelligent. Maman, on prononce ça comment? Intelligent. Intelligent. Maman, même la prononciation, si vous allez m'apprendre ça, je ne me suis pas battue. Intelligent construction. OK? Change through innovation. Innovation. Le changement par l'innovation. Change ton throat innovation. Aïe, maman. Voici cassé. Hein? Voici cassé. Quality for line of thought. En pidgin. En pidgin, on dit ça comment? The thing, the kind of line for the kind of line construction is good. So for things, say the people understand. To forcer, casser, réparer. And the chain bambet suit and tonton, that innovation from tonton thing, you know. That thing not good, you know. For that. Hey, va bouger. Dis-moi, va là-bas dedans, ma, tu me distresses, s'il te plaît, mon amour. Aïe, aïe, aïe. Je comprends très bien, même. Ok, c'est ça. Bon, voilà, je suis ici pour répondre à vos questions. Alors maintenant, j'ai mis un numéro de téléphone. Cathy ne rit pas, franchement. On nous dit qu'on doit être bilingue. Moi, je parle barantais et français. On dit que je dois aussi parler l'anglais. J'ai déjà parlé l'anglais. Le pidgin, il faut s'y casser. Je mets aussi ça dedans. Quelle langue à quoi je dois parler là? Voilà. Je mets. Même en allemand, si j'avais la traduction, j'aurais même en italien. Tout, on va traduction. C'est tout. Maintenant, la vie. Ouais, puis les choses sont plus difficiles. Hein. C'était avant. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Amejimba, ça veut dire quoi? J'ai rien dit Amejimba, non. M'en veux, on ne s'aime pas Marenga. Alors, on voit que. Ah, mon embo, mon glamba. Je viens sur l'anglais, non? Il m'a cherché d'avoir la traduction, mon ami. Il vient alors prononcer. Hey, pardon, ma daronne. Maman, j'ai dit qui va rester derrière? Moi, je suis devant. Quand on fait un, deux, trois, on arrive chez nous. C'est pas pour rien que Abarante sorti qu'à la chiffrer une fois. Sur nous. Vous voyez, non? Voilà. Et bah, les villages derrière, les nappes compliquées. Moi, c'est une fois. Sur nous. Donc, tu laves et tu roules dedans. Tu laves et tu brilles. C'est ce que ça veut dire. Sur nous. Dedans. Tu sors, tu brilles. C'est comme ça que tu peux briller. Toi, non? Et la mère, là. Il y en a qui ont le guac. Ils
ça dans mon dictionnaire, il dit, j'ai une F qui fait même que la mère sur gueule. Mais vous allez faire comment? Celui-là. La mère, là. Voilà. Maintenant, on parle de la journée internationale de la femme. Venons aux choses sérieuses. Alors, je vous ai donné le thème de cette année, justement, c'est l'égalité. Voilà, l'égalité pour ligne de pensée, les constructions intelligentes et le changement par l'innovation. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des women, c'est-à-dire nous sommes ce sans quoi la vie n'existerait pas. C'est-à-dire que même l'homme ne viendrait pas sur terre. C'est-à-dire que nous sommes, n'est-ce pas, les mères de l'humanité. Et cette année, l'ONU nous donne comme thème ce que je viens de vous lire, qui est l'égalité pour ligne de pensée, qui est les constructions intelligentes et qui est le changement par l'innovation. Et je nous connais, nous sommes toutes innovatrices les unes les autres, nous sommes toutes pleines d'idées. Il n'y a pas personne qui est né avec le monopole de quoi que ce soit. Donc, on prend ici, on prend là-bas, on met là, on conçoit, on arrange, on ajoute du piment, des épices, on est vraiment bonne dans ça. Voilà. Et pour cette année 2019, j'aimerais vraiment qu'on que toutes les femmes, vous qui êtes en ligne, vos semblables, vos connaissances, que nous allons dans cette demande de l'ONU pour nous pour 2019. Et je sais sans l'ombre de point de doute que celles qui vont vraiment tenir ce drapeau et avancer avec ces paroles vont arriver au bout de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs réalisations et tout. Et moi, votre galactique PDG canadienne de la lignée de la MAFO, je suis en ce moment une très bonne accompagnatrice pour ce genre de choses. Je t'accompagne pour celles qui veulent vraiment opter pour le changement, qui veulent vraiment faire le pas. Je suis vraiment disponible de t'accompagner. Tu comprends? Il faut que j'ai les commentaires parce que je n'arrive pas à suivre quand je ne vois pas les commentaires. Attendez, je vais mettre les commentaires sur ce téléphone ici. Comme j'ai fait le direct dans l'ordi, voilà. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Alors. Matin. Voilà. J'ai traduit à Medimba. Ok. À Medimba, je vais Je vais vous dire. Un jour, non, il n'a pas un beau jour là, un vrai jour là. Deuxième jour, ban football chou, nous zanou. Nous zanou quand foot joue. Et que ce gros jour, bam bam, nous zanou, intelligence. C'est bon, tu vas en barrenter. Un bijou, voilà. En ringalam, envoie les cœurs, c'est comment? C'est spécial pour toi que j'ai fait. Allez, vous réveillez ma bonza. Le changement par l'innovation. Babi bad que innover donc il veut nous gratter jou hein après j'ai un nombre sombre de us j'ai une touche parce qu'il y a des touches d'innovation, il y a le savoir faire, il y a ce qu'on appelle l'expertise. Donc babi que changement pas innovation. Si tu veux changer quelque chose et que tu n'es pas en train d'innover, ne change rien, laisse comme c'est là. De toute façon, on vous connaît. Là, vous allez venir, si on prend les choses, mettre encore la cendre dessus et la poussière. Ah bon, au moins le jour, nous on grabe rien comme comme. C'est-à-dire de buteur, better quality. Ah ben, tu m'en ben, bon, me bro. Voilà. Bijou, non? Voilà. Aïe. Aïe. Ouais, ma gala, c'est pas le médium, ben, ma gala, c'est Yamo. Ma gala, c'est que partager. Après, si elle son patois jusqu'à. C'est-à-dire que. Ouais, ma galoise. Je sais pas ce que le médium, ben. En tout cas. Et j'espère que tu seras à la convention du Medimba là-bas, quand ils vont faire ça. C'est la galère de son patois. Ouh, quand elle est au village, c'est qu'elle est même pieds nus. Tellement elle est en contact avec son sol, sa terre. La galère, c'est une, ça dit une native. Ça dit que si on peut porter, on met là-bas au pays des Galles. Hein. Ouh, derrière chez elle, elle a une petite barante là. Ça devait être en haut. La galère. Donc, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. Ne vous gênez pas, je vous connais. Je vais finir de bavarder une heure de temps. Je vais vous poser des questions, je n'ai même pas posé. C'est ma grosse tasse de thé. C'est qui? Nyang, on va dessus, mets le volume. Merci, DJ.
réveillez-moi la manager de Nyangona du Sud. Nous, on veut le voir le 8 mars ici au Canada. Il a sorti un nouveau. Mes enfants. Mes enfants. Qui est son enfant ici? Nyeman, c'est le DJ qui dérange. DJ, pas là-bas. Bon. Donc, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas. Hein. Ne vous gênez pas à poser des questions. Mm-hmm. Bonsoir Christelle Nina, bonsoir Mirabila, bonsoir Romine, bonsoir Vadi, bonjour Fagno, bonsoir Laure, bonsoir Diane. Marco, le bien, le bon, le bon, le bien, le bien, le bon. Aïe, non, la reine galloise. Elle aime son patron jusqu'à ça. Là, si tu passes, ça elle va dormir. Si on l'appelle même que viens, elle va dire qu'attends d'abord, mon patron passe. Moi, j'adore. Écoute, je suis une fille d'une DA. Native d'une dénée, même à Bamanté. Tu connais déjà de belles, de femmes qui accouchent chez sa belle-mère. Moi, je suis née chez ma grand-mère d'amour à Bamanté. C'est pour qui m'a envoyé naître à Bamanté. Mes autres frères et soeurs sont nés. Il a une dénée, mais moi, c'est Bamanté. D'une dénée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bon, il n'y a pas de questions, hein, c'était juste ça. Alors, cette année spécialement encore, on va avoir notre PDG international, Fleur de Lille, qui va être des nôtres, voilà. On avait essayé de penser à faire venir des artistes avec, mais vous savez, on a toujours une question de budget qui n'est pas toujours là, parce qu'effectivement, les événements, quand on le fait, c'est d'abord par passion. Et en plus, si c'est des soirées à bénéfice, vous savez, on le met dans nos mouvements comme Diaspora Action Immédiate et Concrète, que je vous invite à aimer la page. Voilà, et qui pourront, n'est-ce pas, aider à nos petites activités annuelles qu'on fait par rapport à nos démunis et nos nécessités du pays. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, on aura la visite de notre reine-mère. On ne pourra pas avoir les artistes qui accompagnent parce que les cachets étaient un peu trop lourds pour notre budget. Déjà que notre reine-mère, elle vaut déjà son pesant d'or. Donc, on ne pouvait pas comme rajouter. On aurait bien aimé avoir même Nyangona, je ne sais pas qui là, plus d'autres là, mais ce ne sera pas possible. Mais on va essayer de vous donner une belle soirée, un bon événement digne d'un quinquennat, parce qu'ensemble, pendant 5 ans, vous avez cru en nous et on est allé ensemble jusqu'à 5 ans. 5 ans, ce n'est pas 5 jours, c'est beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On va essayer de vous offrir une soirée digne de ce nom. Alors, l'entrée, c'est $30 en pré-vente et 40 à la porte. Alors, vous avez le buffet chaud inclus, voilà. Et le buffet ouvert de 21h à minuit, parce que voilà, quand on dit 20h, personne n'est là. Donc, on va dire 21h à minuit, minuit 30, on a un buffet bien chaud inclus. Et puis, ça va être très varié et on va essayer d'aller dans la qualité, voilà. Alors, ça, c'est pour ce qui est du buffet. Et on va aussi avoir beaucoup de surprises sur place dans l'événement parce que c'est quand même un quinquennat. Et les DJ, on a le DJ MEP, c'est le DJ Soul, c'est les deux DJ qui vont, n'est-ce pas, animer l'événement. On a notre MC que vous connaissez tous, Kérosène. Plus lourd que l'essence. Donc, le petit jeu de mon fils Corazon sera le MC. On a la caméra, la vidéo est sortie déjà de l'événement. Je vais essayer de vous la faire. C'est pas long, hein. C'est juste 3 minutes. Je l'ai postée sur mon mur. Je vous invite à le partager au maximum. Il faut que vous nous aidez vraiment dans la promotion et votre aide ne sera qu'un partage. Une photo de profil du flyer, c'est toujours bon. Ça fait comme un genre de brainstorming. Les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de grand qui est en train de se préparer. Et ça se passait à Montréal. Donc, et j'ai mis mes chansons fétiches. Hein. Il a bien monté ça. Merci beaucoup, Récam, pour ce montage. Alors. Est-ce que volume? Attendez, je vais recommencer. Ça, c'est ma chanson. Hein. M'envoie Galactique, m'envoie Galactique. M'envoie Galactique, m'envoie Galactique. Le 8 mars, vendredi, à 800 Fontaine, ma vie galactique. Le quinquennat, bon chic, bon genre. Non.
avec notre temps. On a les photos des éditions passées. Hein. La reine mère, la bosse des entreprises FDL. Il n'y aura pas le babab ange, le budget. On voulait mettre trop de choses, mais quand on calcule à la fin de la journée le budget, amio, réservez dès maintenant, numéro de téléphone. 514-915-0160. Yeah. Le email transfert nadtynga2s@commercial.com. nadtynga@commercial.com. On a les forfaits des tables. Yeah. VIP et normal. Lolo, lolo. Lolo, lolo. Avec la Mako. Lolo, lolo. Lolo, lolo. Ambiance assurée. DJ Mess, DJ Freddy. DJ Freddy, DJ Sue. DJ Freddy, DJ Sue. DJ Mess, ton nom sort toujours. Parce qu'on a travaillé tellement longtemps. Cheval Calèche. Ouh, le goût de ça. Un chicot. Envoyez les cœurs, on sait comment. Envoyez les cœurs. Avec mon unique queen, les rires de ça. Avec ma gaga et la marraine de cœur, la mille étoiles. L'indétrônable Mako, Quinquena BCBG. Beaucoup de gens m'ont demandé, Marvin, est-ce qu'il y aura le pain? Beaucoup de gens. J'ai même d'autres qui sont allés au pays, qui m'ont écrit, voilà, je veux venir avec le pain, dit aux femmes si elles ont besoin, qu'elles vont acheter chez moi. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, écoutez, il y a un mouvement anti-pain qui est lancé. Je ne suis pas l'auteur, mais moi, je suis du genre, écoutez, je ne veux pas avoir certaines choses dans mon dos parce que je suis apolitique. J'ai choisi comme ça. Ça fait plusieurs années que j'ai... On dit souvent à Barante, « Quoi que moi, j'aime chou. » Donc, j'ai fait... J'ai jeté derrière ma tête, « Que ne j'aime pas ça. » Donc, je n'ai pas envie d'avoir tous ces gens sous mon dos. Alors, je suis... C'est-à-dire que j'annule l'affaire du pain. Je ne fais pas d'événement pour le pain. Je fais l'événement pour le thème de l'ONU et pour rassembler les femmes parce que pour moi, c'est un événement qui me va comme un gant. Et j'aime beaucoup les femmes. Et les femmes sont capables de... C'est-à-dire que nous, là, c'est-à-dire on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, s'il n'y a pas femme, il n'y a pas vie. Et comme j'aime la vie, là, c'est pour ça que pour célébrer la vie qui sont nous, là, je suis des dents, tête et poings liés. J'ai d'abord pensé à dire, bon, OK, comme s'il y a trop de soubresauts, trop de blablabla, qu'est-ce que je fais? J'annule? Je fais comment? L'annuler serait lâche parce que je n'ai jamais fait cet événement à cause du pain. Ce n'est pas le pain qui m'a amené à faire cet événement. Ça fait que s'il n'y a pas de pain, l'événement aura lieu pareil parce qu'on ne mange pas mieux de toutes les façons. Alors, la question de savoir, j'ai des personnes qui m'ont dit du genre, « Oh, moi, j'ai mon pain déjà, j'ai mon pain qui est venu du pays. Oh, moi, je vais faire venir mon pain aussi aux arts. » C'est vous. Vous choisissez de faire ce que vous voulez. Mais moi, je donne mon thème et je dis ce que moi, je veux. Donc, je ne veux pas être en balotage ni prise à je ne sais pas moi, en sandwich dans une histoire de revendication de quoi que ce soit parce que je ne me sens pas concernée. Excusez-moi, c'est comme ça. Et la vie, c'est un choix. Donc, n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai mis le thème « Bon chic, bon genre ». Et j'ai été approchée par la boutique... attendez, je sais pas où j'ai... Cristal, la boutique Cristal, qui va s'occuper, n'est-ce pas, de me... Attendez, hein, j'ai amené les deux sacs.
Ce sont mes sacs actuels. Les femmes ont tous les sacs des saisons. J'ai été approchée par le magasin Cristal, qui est une nouvelle boutique de l'heure ici en ville, à Montréal, et qui se charge, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai mis où, là? C'est situé à Montréal, comment on appelle ça? La boutique Cristal. C'est au marché aux puces. Et c'est un des commanditaires de l'événement et ils vont se charger de m'habiller. Donc, je vais être habillée par la boutique Cristal. Cristal Shop. Je vais chercher la carte pour vous montrer. Mais en tout cas, je l'ai rangée, mais je ne sais pas de quel côté dans mon sacoche. Attendez. Oh là là, les femmes avaient des sacs. J'ai reçu pourtant la carte hier, mais puis je suis sortie avec ce sac. Donc, voilà. Alors, c'est le magasin, la boutique Cristal, qui va se charger de rendre belle votre PDG. Voilà. Et j'invite les dames qui veulent être vraiment bon chic, bon genre, à aller magasiner chez Cristal Boutique, Cristal Shop. Ah, là, j'ai laissé dans le taux, hein, dans la voiture. Je l'ai vu pour rien. Donc, j'invite les femmes. Je vais vous faire aussi la promotion avec cette carte-là d'ici peu. J'invite les femmes vraiment à aller, n'est-ce pas, choisir leurs vêtements là-bas. Ils ont l'arrivage. Ils font dans du chic. Ils font dans du chic. Cristal Boutique, ils font dans du chic. Sont situés à Montréal, comment on appelle ça, marché aux puces sur métropolitaine. Alors, attendez, c'est la boutique Cristal Shop. Je vais regarder ici, j'ai le carte. Donc, c'est important de qu'on soit vraiment bon chic, bon genre, qu'on soit vraiment pimpant, parce qu'on aura le tapis rouge, on va être vraiment sous les projecteurs en arrivant. On a Ricam qui va couvrir, n'est-ce pas, l'événement, celui qui nous a fait le montage déjà de la vidéo. Vous avez une idée déjà quand vous voyez c'est de quoi il est capable. Donc, ça fait que... Attends... Que je vais ici. Donc, ça fait que ça sera vraiment du lourd, du plus que lourd. Alors, la boutique Cristal Fashion. J'ai l'image ici. L'image est un peu... Est-ce que vous voyez bien l'image? Cristal Fashion. C'est la boutique qui va m'habiller. Maman, la Star Mania, le bout de ça. Donc, je vais être habillée par Cristal Fashion et j'invite mes étoiles de followers, toutes les personnes qui vont être avec nous à cet événement-là, de se rapprocher de la boutique Cristal Fashion qui est située au marché aux puces métropolitaine, le kiosque 625-724, entrée 5 et 3. Au 6245 boulevard métropolitaine Est à Montréal, H1P 1XL, 1X7, Cristal Fashion Store. C'est du cristal. Là, on ne parle que en qualité. Cristal Fashion Store. Donc, voilà. J'ai aussi été accrochée par une jeune dame aux doigts de fée. Alors, elle fait des soins esthétiques à domicile. Vous savez, hein, les gens comme moi, je travaille à la maison, je travaille de la maison. Je suis une moins sorteuse, je suis une casanière. Ça fait presque 10 ans que je fais les choses de chez moi. Donc, c'est difficile que je me lève le matin à 8 heures. Je suis en train d'aller démarrer, aller ici, aller là-bas. C'est un peu difficile. Je suis plus casanière. Donc, ce genre de travail me convient, ce genre de service me convient. Et toi aussi, si tu as vraiment besoin de te faire une beauté, massage, manicure, pédicure, gommage de la peau, du corps, de tout. Elle se déplace à domicile, l'esthéticienne. Alors, c'est une esthéticienne à domicile qui vient sur place te donner tes soins. Elle s'appelle, ça s'appelle Esthétique à domicile, c'est Ernestine Joanna. Elle a des doigts de fée, celle-là. Ça, c'est sa carte. Est-ce qu'on voit même
Ouf, ça se voit pas bien. Non, ça se voit pas. On dirait que image contre image, ça. Non, ça se voit pas. Non. Image contre image, c'est vraiment flou. C'est sa carte que j'ai reçue là. Vous voyez, il y a des doigts de fée. Non, ça se voit pas. Image contre image, ça fonctionne pas. C'est esthétique à domicile. Ernestine Johanna, esthéticienne. Formée, brevetée, certifiée, tout ce que vous voulez. Elle a fait tous ses cours ici et elle a continué encore, voilà. Donc, elle va s'occuper de me faire des soins, manicure, pédicure, visage, maman. Hey, dans le BCBG là, je vais être une kenyou. Je vais être renouvelée par à peu près. Je lui ai demandé si elle faisait des massages à 1600 euros. Le chat, on écrase ton corps. Elle est en train de finir ses cours de massothérapie. Elle a encore fini. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont être vraiment disponibles pour l'événement du 8 mars parce que ça tombe dans la semaine de relâche. Vous n'allez pas me dire, parce que dans la semaine de relâche, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont pris cette semaine congé pour pouvoir garder les enfants. Donc, ça veut dire que vendredi, là, on va être ensemble jusqu'à le 8 mars, un vendredi. C'était quand là? C'était vendredi. Ça sera quand là? Ça sera un vendredi 8 mars 2019. Ça sera quand là? Un vendredi 8 mars 2019. Il y aura quoi? Le quinquennat de célébration. Il y aura. Qui sera là? La PDG internationale sera là. Et qui d'autre? Tous les invités que vous êtes seront là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mon numéro de téléphone est là. Vous pouvez appeler. Donc, mon numéro est là. S'il y a des questions, vous faites. Et puis voilà. Donc, vraiment, faites du bruit, faites du bruit. Ok. Il y a des gens qui vont dire qu'ils seront là. Et le goût de ça, oh, le goût de ça. Donc, je vous attends, je vous attends. Appelez pour les questions, ceux qui ont des questions, parce que ne parlez pas derrière. Vous êtes faux champion pour aller dire que gna gna gna. Venez me dire ici, appelez ici, vous parlez ici. Ce que vous pensez, téléphonez maintenant, vous parlez. Parce après qu'elle finisse, elle ne parle plus de ça. Je vous ai parlé de la tenue, je vous ai parlé de l'événement, je vous ai parlé pourquoi ils se tiennent, je vous ai parlé de où moi je pars mon événement et sur quoi je m'accroche. Donc, je vous ai à tout parlé. Maintenant, téléphonez ici pour parler. Parce que ça pose la question. Elle a fait des directs, elle a dit qu'elle n'a pas dit qu'elle avait dit que. Hey, je n'ai pas la police sur moi. Il n'y a pas de gens qui me souhaitent comme ça. Mais change une joie. Appelez. Vous avez compris, non? Appelez. Mais tiens, appelez. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Voilà. Même écrit, là, vous êtes seulement là comme ça. Quelle est la chose, vous allez faire des réunions là-bas. Et que pardon. Venez poser toutes les questions. J'ai encore combien de minutes avec vous? Parce que j'avais dit qu'elle ne durait pas, non. J'ai combien de minutes alors? Je dois aller coiffer ma petite louloute. Je vais faire des tresses. Voilà. Un bon shampoing et des tresses. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la perruque de tresses, vous me contactez inbox. Je vous donne les prix. Et je vous ai montré la vidéo, tout ça. Je vais aussi faire la vidéo de celle-ci un peu devant, derrière, les deux modèles que j'ai. Je vais aussi poster. Et puis, vous pouvez me contacter inbox pour vos commandes. Ça ne dérange pas. Le stock est très limité. Vous comprenez, non? Comprenez, non?
Le stock est trop, trop limité. Et gêné comme vous êtes là. Qui va me parler ici maintenant? Vous allez me regarder jusqu'à ce qu'elle ait quitté. Pourquoi elle ait quitté? On était dans le dia de ma. Tu avais ce qu'elle a dit. Elle avait dit comme ça, elle n'a pas dit comme ça. Moi, je vois que ce n'est pas bon avec eux. Bon, ok, c'est pas grave, ne parlez pas. Vous êtes toujours gêné, toujours timide. Ouais. Crystal Fashion. Oui, Crystal Fashion. Ouais. Oui, Crystal Fashion Store. Yeah. Oui, je vais très bien, mon frère. Je vais très bien, Raoul. Donc, posez. Les abeilles sont là. Hé, lesquelles abeilles? Les abeilles perspicaces. Bonsoir, les abeilles. Oh. Les abeilles perspicaces, maman. Bienvenue les abeilles. Merci pour les cœurs, mon galloise. Donc, c'est ça. Ça fait que j'ai fini pour tout ce qui est autour de la journée de la femme. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de tabous. Le dress code, c'est bon chic, bon genre. Faites-vous belle. Je vous ai donné Crystal Fashion comme boutique pour ceux qui sont à Montréal et qui aimeraient être, you know, bien chic, bien genre façon. Parce qu'il faut des gens, ouais, il faut des gens, genre, you know. Je peux me dire comme ça, même pantalon, hein. Je mets une cravate, hein. Je mets un cigare. Ou bien, hé, la belle, je vais servir déjà quand même. Moi, je vais trouver des cigares sur la table là-bas. Ou alors, je peux me dire même comment, une petite culotte. Ou bien, j'aime les culottes jusqu'à. J'aime les culottes, et Crystal Fashion, j'espère que tu as beaucoup de stock là-bas. Parce que quand il va arriver là-bas, là, il faut qu'on trouve un look. Peut-être qu'on va se commander. Parce que moi, là, je suis souvent un hein, grand, 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 grand. Hein? J'aime les choses façon, façon. Voilà. La mère bio. La mère qui vit selon le. Non, pas sa main, pas les culottes. Ange. Ange, appelle alors Christelle Fashion. Elle n'a pas encore de site internet. Tu vas aller là-bas, elle a choisi. Oui. Maman, je suis en haut jusqu'à la Starmania, le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Mais bon, moi, ils ont tellement blablabla. Maintenant, la Dieu a béni, non. Moi, j'aime les culottes jusqu'à. Les mini, non. Mini culottes, mini jupe, mini, mini. Yeah. J'aime ça. Bonjour, Nadou. Bonjour, Grace. Et Gracia de Wandy Bro, le vendredi 8 mars, ma journée de la femme. Mais le frère. Donc, inbox-moi. Quand elle finit le direct, c'est m'a appelé. Oha. Bonjour, non, bro. Voilà. Bonjour, non. Voilà. Ouais, que non, je rigole, non, Ange, pardon, je rigole. Ouais, le temps, je vais prendre la cravate, qu'elle va tourner la sauce, parce qu'il y a le buffet. Je suis en train de remplir le bar de sauce de je ne sais pas quoi, parce que même dans le buffet, on est en train de choisir des trucs un peu raffinés, là, pour faire une bonne cuisine, que les gens mangent bien, ouais. C'est ça. Quand elle va tourner là, le bar, là, la cravate, parce qu'elle va aller dedans, tu vois. Ou ça va être une courte cravate jusque lol. Ça peut être joli, hein. Bon chic, bon genre. On a dit bon chic, bon genre. Genre, là, c'est ça qui me plaît. Chic, on est habitué, mais genre. Un genre, de toute façon. C'est le genre là qu'elle veut. Merde. Peux-tu m'avoir une veste d'un côté, non? Un capton d'un côté, dit, oh, non. Tu aimes ma perruque, c'est à vendre, m'en veux galoise. Inbox. Je te dis les prix et tout. Je n'envoie pas la poste. Bon, si tu es intéressé, dès demain, je vais poster. La femme qui le fait, ils prennent 3 jours pour monter une perruque. Ce n'est pas la blague. Ils handmaker. Ce n'est pas le tchavoum des Chinois qui cousent sur la machine, là. Deux temps de mouvement gâqué. De leur yin, chapeau, un chaussé, tu vois. Un aspirateur de tête. Le traiteur, c'est nul autre que le traiteur galactique que je suis. Parce qu'on dit que moi, traiteur depuis la nuit des temps. J'aime cuisiner jusqu'à demain. C'est moi.
Pensez que quoi? La décoratrice Cameroun, voilà, c'est ça. Le MC Kérosène, DJ Freddy et Soul, caméraman Ricam, voilà. Hôtesse Les Maïs Hôtesse Service, voilà. Qui encore? Vous voulez encore savoir qui? Il y aura la sécurité, oui, bien sûr. Qui encore? On aura des invités spéciaux, des invités de marque, oui, pourquoi pas. Qui encore? C'est ça. Moi-même, Nachan. C'est moi, il va cuisiner. Mm-hmm. C'est ça. Un menu alléchant, buffet chaud et bon. Pas les choses que... Na, la pumbali, c'est un beau. Voilà. Vous avez aimé. The goût of the ça. Ah, c'est ça. Donc, je vous aime, je vous adore. Je vous envoie des gros cœurs. Personne n'a pu appeler. Le numéro, c'est le plus 1-514-915-0160. Mais personne n'a appelé pour parler parce que bon, vous êtes un peu gêné. C'est pas grave. Merci pour les personnes qui ont déjà commencé à réserver leur table. Les tables vont comme des bouts de pain. J'ai des forfaits de tables que j'ai postés. Voilà. Et j'ai des forfaits qui vont de 300 à 850 $. C'est des forfaits à tous les prix. Voilà. Pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, pour ceux qui prennent l'alcool, voilà. On va juste s'amuser et encore s'amuser. C'est la fête de la femme, la mère de l'humanité. On va le célébrer tant aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle. Voilà. Et on va toujours s'en tenir au thème de l'ONU. Voilà. Et merci Ricam pour ce beau montage que tu as fait. C'est un chef-d'œuvre. Tu as bien travaillé. Merci beaucoup. Je suis bien fière de ça. Partagez au maximum. Informez vos amis. Ceux qui sont hors du Canada, demandez à vos familles de venir nous soutenir. Votre reine-mère sera de la place. Vous savez, c'est la seule femme qui ne tape pas poteau. Elle n'a jamais tapé poteau. Voilà, c'est ça. Je t'ai dit, elle n'a jamais tapé poteau. Bonsoir Rachel, bonsoir Mach, bonsoir Ebélé, bonsoir Mathilde. Donc voilà, vous avez compris? Alors, mon téléphone est là pour sonner. Téléphone, sonnez, sonnez, sonnez. Pourquoi même tu ne peux pas m'appeler pour aller à la honte sur moi? Tu as dit comme ça, ma galère, ça va appeler? Non. C'est pas grave. Si vous n'appelez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord. Parce que ce qu'elle a mal dit, c'est ce qui est. Dites-lui d'accord. Livie? Livie? Viens un peu, mon ange. Ok. Quand on les appelle, elle est sur son. Elle est sur son. Comment on appelle ce qu'elle roule là, c'est quoi? Quand on appelle ton truc que tu conduis dans la maison, là, ça s'appelle quoi là? Livina, ton truc que tu conduis là, ça s'appelle comment? Overboard. Aïe, ah, maman. Uh-huh, elle vient avec. C'est comme une voiture. Elle ne marche plus. Elle avance dans la maison avec Overboard. Uh-huh. Elle vient comme quelqu'un qui est dans une voiture motorisée là. Ferme les fenêtres pour ma beauté. Le soleil reflète beaucoup sur mon dos. T'es ça me fait noircir. Je suis encore en direct, mon cœur. Pourquoi tu m'appelles? Parce que je veux que tu fermes juste les fenêtres. Je vais allumer le plafonnier, je ne sais pas. Mais ferme d'abord les fenêtres, je vais voir comment ça sert. Le soleil de derrière tape sur mes lunettes, ça me fait un jeu. J'aime pas trop. Ah, ah, ah. Oh yo 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 les propositions de ça. Je vais noircir, n'est-ce pas? Attends. Pas grave. Je suis pas brune non plus, hein, voilà. Je suis pas si brune branchée. Pas grave. Je suis pas si brune. Laisse celle-là, celle-là, c'est bon. Celle-là, hein, ouvre celle-là. Ouvre. Ouvre aussi l'autre. Non, celle qui suit là. Ouvre. Oui. Mais pourquoi tu as là? Parce que ça ne donne pas. Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Laisse comme ça. C'est... Non, c'est bon parce que sans plafonner, regarde. Non, la plafonnière ajoute encore une petite lumière. Ça va. C'est bon. Laisse celui-là. Non, n'ouvre pas celui-là. Celui-là venait derrière mon dos, puis ça a reflété dans mes lunettes. Je n'arrivais pas à lire. Bon, vous ne voulez pas. Donc, c'est ça. C'est bon, beauté. Merci. Not much fun. Je lis seulement ta voiture. Elle marche seulement sur l'overboy. Ça marche sur les collines, beauté? Non, juste les, ce chemin plat. Donc, si tu vas à une pente, il s'arrête. C'est écrit dessus ou quoi? C'est une machine. Mais une machine, si tu essaies de monter la petite pente là, ça ne va pas monter? Non, parce que je vais être comme ça, je peux tomber. Ah! Je vais être comme ça là. Comme si je montais. Okay. Comme s'il y avait une chaise que je m'adosse. Ah, d'accord.
Mais de toute façon, je pense que c'est pas assez solide pour me dire comme il n'y a pas de puissance. C'est juste le chemin plat de ici jusqu'à arriver, c'est jamais. Ok. Donc, c'est ça. Et ma copine, Combise, comment ça va, beauté? Elisabeth, Fono, Nad. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Hier, moi et papa, on a vu Anaïs et Jérémy au Mexique. Oui, il m'a dit ça. Ah, moi, je suis encore en direct. On a même vu une de ses collègues. Ah ouais? Je suis encore en direct. À cause. Tu sais, je vais te coiffer, hein? Ouais. C'est ça. Alors, je vais vous laisser, non? J'ai tout fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes de questions, puis je m'en vais. J'ai duré 1 heure. Oh! Ça fait longtemps que j'ai pu faire des longs directs comme ça. 1 heure, c'est beaucoup. Hein? Et questions, et puis je m'en vais. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait le tour. Je vais devoir vous laisser. Et appelez-moi, plus 1-514-915-0160. J'ai des tables régulières et des tables VIP qui me restent encore. Donc, la promo est encore en train de battre son plein. Voilà. On est à 4 semaines exactement de l'événement. Et je sais, sans l'ombre d'aucun doute, que vous allez tous vous manifester parce que non seulement... Vous êtes des femmes et des hommes qui êtes des hommes, vous êtes capables d'accompagner vos femmes et les femmes, vous aimez bien les bonnes choses et c'est les bonnes choses, c'est les bonnes choses qu'il s'agit à cet événement-là. Et en plus, vous aimez votre star, Kim Kardashian, c'est à votre demande générale qu'elle sera encore là. Voilà. Donc, je vais vous quitter sur ce en espérant vous lire. Contactez-moi inbox pour vos réservations. Les forfaits sont prêts, tout est fin prêt. Donc, la promo, c'est non-stop. Donc, dès demain, c'est la course contre la montre. Voilà. Alors, je vous laisse, non? Ok. Excusez-moi, je commence déjà à travailler avec mes gens que je suis. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente, excellente, excellente fin de semaine et rendez-vous lundi parce que demain, je ne pense pas que je fais un direct, mais à partir de lundi, on va être plus touché. On va essayer de faire beaucoup de communication autour de l'événement et aussi des produits santé qu'on n'oublie pas. Hein. Vous avez vu, je suis revenue avec mon drapeau de Forever et mon fameux collier. Donc, j'ai été gradée dans 2 pays. Hein. Chanceuse. Attendez. Oui, allô? En plus, par vidéo. J'aime pas trop les appels par vidéo. Non, non, non. C'est pas bon.
je ne sais pas c'est qui, et puis la personne appelle en vidéo. Faites très attention aux appels WhatsApp par vidéo. Hein. J'ai très, très attention. Pas de vidéo. C'est pas bon. Parce que des fois, la personne vous appelle en vidéo et puis vous pouvez voir des choses bizarres. J'appelle normal. Si la personne ne veut pas prendre normal, tu refuses l'appel vidéo. Oui, bonsoir. Non, j'aime pas les appels vidéo quand je connais pas les gens et tout. J'aime pas. Pourquoi? Que puis-je pour vous? Oui, j'ai mis mon téléphone qu'on peut appeler par rapport au live pour intervenir et tout. Mais j'aime pas les appels vidéo. J'aime mieux les appels pour parler parce que c'est pour parler, c'est pas pour voir les gens, là. Alors, je vous écoute. Hein. Ah, vous voulez passer dans le direct? Vous voulez parler du direct ou vous voulez interagir ou je sais pas? Ah, d'accord. Oh, merci beaucoup. Alors, c'est vraiment gentil d'avoir appelé. Donc, voilà. En fait, le direct, c'était pour parler d'un événement qui arrive le 8 mars prochain, qui est la Journée internationale de la femme. C'est pour ça que j'ai mis le numéro pour appeler et communiquer là-dessus, parce que j'ai parlé du thème aussi que l'ONU a mis par rapport à cet événement et tout. Et c'est ça. C'est pour ça que les gens qui appellent peuvent renchérir là-dessus. Ou alors bien d'autres choses, parce que je parle des produits santé, par exemple. C'est ça que je m'en allais parler. De mon grade que j'ai eu par rapport à Forever, qui sont les produits santé que je représente et tout, voilà. Donc, c'est les deux choses que je fais. Alors, les produits santé, c'est ça que je m'en allais montrer, c'est les produits Forever. Vous vivez dans quel pays? Ah, d'accord. Alors, premièrement, c'est des produits santé à travers le monde. En Algérie, il y en a aussi si vous êtes de l'Algérie ou si vous êtes aux États-Unis, parce que vous avez dit Amérique, Algérie, je ne sais pas. Là. Bref, c'est des produits santé. C'est des produits à base d'aloe vera. Si vous êtes aux États-Unis, elle est basée justement aux États-Unis, voilà. Et c'est des produits à base d'aloe vera, voilà. Et c'est pour, n'est-ce pas, un bon, c'est-à-dire la réparation de l'usure de l'organisme et un bon fonctionnement et un bon entretien de l'organisme, voilà. Et c'est des personnes qui décident de penser efficient pour leur santé, qui décident de commencer à faire des bons gestes, parce que quand on avance en âge, à un moment donné, les aliments qu'on prend n'ont plus tout ce qu'on a besoin pour notre système au complet. Donc, alors, Forever Living Product a à peu près plus de 160 produits qu'il a mis, n'est-ce pas? C'est une compagnie qui existe depuis 40 ans et qui fait pas mal de produits pour aider les gens à mieux aider leur système et à mieux fonctionner et aussi pour réparer l'usure de l'organisme et aussi pour les accompagner dans leur traitement aussi de maladies graves. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Donc, c'est de ça que je m'en allais parler maintenant. Oui. Assez naturel, c'est des produits naturels, 100% naturels, à base d'aloe vera. Et voilà, 100% naturel, beaucoup plus à base d'aloe vera. Vous savez les bienfaits de l'aloe vera. Ah, vous êtes chimiste. Oh my God. Vous êtes chimiste. Ah, ok. En fait, c'est pas du laboratoire qu'il s'agit. Moi, je suis plus une représentante de l'entreprise. Quand t'es chimiste, ça veut dire, moi, je suis par la chimie organique industrielle. Ah, d'accord. Oh, ben, c'est cool. C'est le concept technologique. Ok. Parce que j'ai le concept sur le concept de la distillerie des raffinages, parce que ça monte, parce qu'on a maintenant, on a plus de la chimie verte. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes comme des produits naturels et santé de Forever. Dedans, il y a des éléments chimiques. Un exemple bête que je peux vous dire. Je vais prendre. Je connais cette société. Je connais cette société. Forever, j'ai fait des clients par Internet.
Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Moi, je suis une représentante qui vient d'être, n'est-ce pas, graduée à Paris. Et j'essayais de parler à mes fans parce que j'allais finir le direct en disant que j'ai reçu deux médailles que je présente en ce moment en ligne. Alors, la marronne qui vient sur mon collier, c'est des médailles de Paris. Pardon? Pardon. Ah oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est par rapport à mon travail ardu parce que j'aime bien tout ce que je le fais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de. Je me donne à fond. Voilà, c'est de valeur. C'est comme ça que je suis. Voilà. Donc, je m'en allais finir le direct hein, parce que c'était juste pour parler de l'événement qui arrive le 8 mars et puis et j'allais finir le direct en le parlant un peu de ça en passant, mais voilà, c'est ça. Merci déjà d'avoir appelé. Merci. Pourquoi tu es un peu pressé? Ah, ok. Vous avez encore des questions. Je vous écoute. Est-ce que vous êtes une femme mariée? Terriblement mariée et gravement. Compte le démêler et travaille pour le démêler. Mais est-ce que vous avez une caméra comme toi pour moi? Ah, oh, voilà, ça c'est une belle question parce que je suis en train de monter, je suis en train de mettre sur pied ma plateforme de rencontre, mais je n'ai pas encore fini de travailler ça. Quand ça va être prêt, vous allez avoir beaucoup de gens dedans pour rencontrer. Mais il y en a beaucoup, même seulement dans mon agenda personnel, j'en ai. Dans mon agenda personnel, j'en ai beaucoup de noms qui veulent rencontrer une bonne personne, mais un homme dans leur vie, pas un homme dans leur lit. C'est important que vous le sachiez. Non, ça fait... Non, Dieu, ben, moi, je revois. Ok. Ah oui, au Cameroun, il y a de très belles femmes, très très belles, les unes des autres. Et mais elles aimeraient avoir un homme. Moi, je travaille plus avec celles qui aimeraient avoir un homme dans leur vie et non dans leur lit. Fait que si vous voulez une femme dans votre vie, c'est correct. Mais si vous voulez dans votre lit, il y a des organismes de rencontre, il y a des trucs, des clopes échangistes, toutes sortes de choses. Ça, je ne touche pas ce côté-là, voilà. Oui, c'est ça, mais sauf que dans le but, parce que si dans toute relation, donc je vais te dire, dans une relation, si on ne définit pas la relation, on ne sait pas où on va. C'est important quand tu commences déjà une personne que tu saches que je veux quelqu'un dans ma vie ou dans mon lit. Parce que si tu ne définis pas ta relation, tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est déjà important. Dans toute relation, c'est important. C'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un, c'est juste point vert et merci, bonjour. Tu rencontres quelqu'un, c'est juste pour t'envoyer un lait, bye bye. Puis il y en a que tu rencontres quelqu'un parce que tu aimerais quelqu'un. Donc il faut que. Pendant qu'il te dit ce qu'il veut, que toi aussi tu lui dises ce que tu veux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, j'accompagne les femmes, les hommes, à trouver, n'est-ce pas, et à savoir ce qu'ils recherchent, à trouver ce qu'ils recherchent exactement, ce qu'il leur faut et dans le moment qu'il leur faut. Voilà. C'est ça. Non, parce que c'est pas moi. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit cherche-toi une Camerounaise, que tu t'attends. Ah, merci du compliment! La personne a une Camerounaise. Ah oui, les Camerounais, c'est la solution. Mais jusqu'à un certain point. c'est pas moi. Ouais. Tout ce que tu vois, je trompe. Tu as plus de soucis tellement tu n'arrives pas à être sur un cas. Cherche-toi une Camerounaise. Oh là là. Donc, vous avez vraiment beaucoup de soucis. Alors, ça va partir dans la consultation. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez m'appeler quand je vais finir le direct. Je vais prendre une temps de consultation avec vous. On va déceler c'est quoi le problème. Et je vais vous amener, n'est-ce pas, c'est-à-dire à sortir le meilleur de vous, à voir vraiment où vous êtes rendu et qu'est-ce que vous voulez véritablement. Parce que des fois, on pense qu'on veut quelqu'un dans la vie, mais je pense... La consultation est gratuite. Hein. Et c'est vraiment du monde, parce que je suis sur le désert, je suis sur la mer, Ah, le travail vous demande beaucoup et vous n'avez pas vraiment... Pardon, voyez les cœurs quand je babade, non, vous êtes encore là. Maman, je dis que... Donc, vous voulez amener votre femme au lieu de cherchologie? Est-ce que la femme va aller avec vous dans la cherchologie là-bas? Non, je ne pense pas. Je veux tellement chercher une Camerounaise que je oublie ce que je suis. Oh, pauvre vous. Oui, une Camerounaise, c'est vraiment l'idéal. Hein. C'est des femmes vraiment complètes. Là. Nous, là, on a la tête sur les épaules, ça c'est sûr. C'est sans me vanter. Donc, mais comme je dis... C'est un ami qui travaille à l'ambassade en conseil de États-Unis, c'est un camion qui m'a proposé de chercher un camion. Oui.
Ok. Ok, pas de souci. Je vais, si j'en ai, je vais vous dire. Tu as la tâche de me retrouver soit ta cousine, soit toi qui est proche de toi, qui est Bon, proche de alors toi. dans ce cas, comme vous avez mon numéro, vous allez me rappeler. On va prendre un temps de consultation. La consultation est gratuite. Et maintenant, quand on va avancer dans le processus, ben, ça va prendre des frais parce qu'après, ça devient, n'est-ce pas, un autre volet, quoi. Mais pour le moment, on parlait vraiment de l'événement. Donc, merci déjà de m'avoir appelé. Et quand vous avez mon contact, vous allez me rappeler pour une consultation. On va vraiment voir et déceler c'est quoi le problème et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Non, moi, mon problème, c'est que tu te trouves dans les pays qui sont proches, camerounaises, à ta ressemblance. À ma ressemblance, oh my God, ça c'est compliqué par exemple. Avec les chefs, les cheveux, la perruque comme ça sur la tête. Les filles, achetez vite la perruque, hein, parce que quand je vais lui envoyer, il faut que vous ayez la perruque. Grande, belle, comme ça, simple. Oui, simple, ouais. Ok. Elles sont très simples, oui. Ok, pas de souci, ben, il faut me rappeler alors. Donc, je vais voir votre profil. Merci beaucoup, hein, de l'appel. Allez, bye bye. Ok, j'ai une question que je dois répondre à une autre dame ici, là. Parce que vraiment, il y a des gens qui ont vraiment du toupet. Hein. Merci beaucoup. Il est déjà parti, non? Bye bye. Ok, il y a une dame qui a du toupet qui écrit un truc de ouf, là, que je vais répondre avant de vous quitter. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je vais répondre à cette femme. Le Cameroun célèbre vraiment quoi le 8 mars quand les femmes sont tuées avec les enfants au dos et tirées dessus à bout pointant. Je pense qu'on doit plutôt pleurer la femme ce jour. Merci beaucoup de ton message, Ngonak. Ngonak Mvoutou. Ma chérie, je vais te dire, ma chérie Ngonak Mvoutou. Il faut que, il y a combien de personnes en ligne? Parce que quand ils voulaient même te répondre, ils voulaient qu'il y ait les gens pour qu'ils comprennent bien. Ma chérie, je ne suis pas en train de faire une célébration du Cameroun. Ngonak, un jour, non? Ou, comment dire, ambassade, que tu as compris. Ngonak, je ne fais pas une célébration du Cameroun. Je n'ai pas mis le flair. Est-ce que le Cameroun célèbre la fête? Ce n'est pas la fête nationale du Cameroun, ni la fête du 11 février. Je ne suis pas en train de célébrer les fêtes du Cameroun. Je célèbre une fête mondiale de l'ONU. Ouvre bien tes oreilles et prends le coton hydrophile pour nettoyer. Bonjour, hein? Ngonak. Hein? Ngonak, j'ai dit, je ne suis pas en train de célébrer une fête du Cameroun. Dans les journées internationales, la femme n'est pas une fête qui régit du Cameroun. Allô? C'est parce que les femmes aimaient même les kabas, que les kabas arrivaient. Maintenant, il n'y a pas le kaba. Donc, il faut m'excuser. Je ne me sens pas en train de célébrer une fête du Cameroun. Ça, c'est de un. De deux, tu as dit que les femmes sont tuées ou quoi, quoi, quoi. Celle que tu dis, celle qu'on dit que Koumaté, elle est morte il y a combien d'années? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'année de la mort de notre feu sœur Koumaté, paix à son âme? Est-ce qu'on peut me rappeler l'année qu'elle est morte? Pardon, je veux que quelqu'un me rappelle ça parce que celle-ci vient écrire quelque chose de bracatala. Il faut que je lui réponde. Quelqu'un peut me rappeler l'année que Koumaté est morte? S'il vous plaît, si quelqu'un en ligne qui se rappelle, parce que moi, je ne me rappelle pas. Parce que c'est comme si ce n'est pas resté dans ma tête vraiment. C'est que ça fait quelques années quand même que j'ai vu des images de ça un peu partout. Allô? Quelqu'un peut me rappeler? Ah, je ne connais pas dans le pays qu'il a dit États-Unis, il avait l'accent de l'Algérie, il a dit qu'il va me rappeler, il veut faire la consultation. Ça, sa consultation est gratuite. Après la consultation, maintenant, s'il veut qu'on avance, qu'on prend son dossier, on va voir maintenant les procédures, c'est tout. Elle a été envoyée par les gens d'enfance. Rien à foutre. Je n'ai pas les gens d'à côté, les gens d'enfance. Je ne gère plus ça. Pour moi, tous les gens sont mélangés. Maintenant, c'est moi qui ne me mélange plus. C'est-à-dire, je contrôle ce que je fais maintenant. Quelqu'un peut me rappeler quand est-ce que Koumaté est mort. C'est tout ce que je veux savoir. Parce que si on peut me rappeler le temps, parce que les gens sont en train de vouloir chercher les poux dans les cheveux des chauves ici dehors. Bravo, Mavou. C'est le même discours que les gens qui cherchent à boycotter le 8 mars. C'est eux, Mavou. Maman, j'ai posé la question. Hein. Qui se rappelle? Voilà, elle se rappelle. Ma chérie Ngo, Kiki, Koumaté est morte quand Ngo na Mvoutou là. Quand vous cherchez les motifs, vous ne trouvez pas là. Vous allez soulever la fille de pluie qui repose en paix. Vous commencez à prendre son âme pour vous promener avec elle. J'ai dit, elle est morte quand? Quand elle était morte, tu étais où? Pourquoi le temps là, tu n'as pas marché? Tu n'as pas milité? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens réveiller ça? Je veux savoir. Il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Tu as compris? Ngonak Mvoutou. Avec ton nom là même qui est bizarre là. Ngonak veut dire fouetter. J'ai dit, tu étais où depuis? Tu ne sais pas qu'elle est morte, ça fait plusieurs années. Pourquoi tu n'as pas milité le temps là, ma chérie? Maintenant, tu viens me dire que le Cameroun. Donc, moi, si on te fait une fête du Cameroun, tu m'as vu vert ou jaune sur mon flyer. Tu as vu, j'ai mis vert ou jaune sur mon flyer. Il ne faut pas fatiguer les gens. Hein. Ce n'est pas parce qu'on essaye
de porter les gants et d'essayer de vous accommoder dans vos conneries que vous pensez que vous allez du coup venir parler n'importe comment aux gens. Mais vous êtes même normal. Mais on est où là même? C'est quoi le projet? Pas mettre les gens en boule pour rien là. Attends, je te montre le flyer, ma chérie. Tu vas me montrer où il y a vert, où jaune sur ça. Chez nous là. Et à parlant qui, maman. Où est ça? Où est vert, où jaune? Où est-ce que c'est? Et tu vois le vert, où jaune sur ça? J'ai mis le drapeau. Minalmi. Vous allez, vous n'êtes même pas capable. Toi, Anjon Gopepet, là, tu n'es même pas capable de prendre un sujet et de tenir ça jusqu'au bout. Tu viens me parler les phrases, bracatada, mon direct. Je vais te bloquer même. Chez nous, là, à Baloki. Nous, on est tous sortis les gens de leur gondi, non? Regardez-moi la malchance. J'ai dit que, dites-lui que depuis, elle a Ngona Mvutula. Dites-lui que depuis qu'elle est morte, ça fait combien d'années? Maman, est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'année? Moi, je ne me rappelle pas. Je reconnais que je ne me rappelle pas parce que je n'avais pas mis ça dans ma tête. Je ne suis pas une militante de qui a tué qui n'a pas tué qui. Je ne suis pas dedans. Donc, je n'avais pas mis ça dans ma tête. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a dérangé, mais je n'ai pas mis ça dans ma tête. Dans la vie, on choisit. On choisit ses batailles. Je n'ai pas choisi ça. Point. Mais si toi, tu as choisi ça, pourquoi mon événement, en quoi vous avez dit le Cameroun? C'est ce qu'a fait une fête du Cameroun. La funèbre ne serait pas insinuée par le Cameroun, ma chérie. Mais tu es fatiguée. Tu es fatiguée. Allô? Je suis en direct là, dis-toi. Tout à l'heure. Ma chance. Chez nous là-bas. Mais tu m'as mis à vous dire, non, mais c'est quoi ton problème, ma chérie? Tu m'as vu que j'ai mis le drapeau. Depuis les années que tu as vu, j'ai présenté même la vidéo que j'ai fait là, il y a plusieurs frères là. Tu as vu le drapeau sur ça? Est-ce que vous me voyez? Ça tourne comme si c'est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous me voyez? Ou ça a bloqué? Ça a bloqué. Parce que je voulais bien partir. Voici quelqu'un qui vient m'écrire un message, un bracata sur mon direct. C'est quoi? Même écrit, même si je lui demande ce qu'elle voulait parler, elle ne se retrouve pas. Est-ce que vous me voyez? Peu importe la date, elle symbolise ce qui se passe dans le pays comme le Cameroun. Elle symbolise dans mon événement. Je vous ai dit qu'elle faisait le 8 mars, c'était par rapport au Cameroun. C'est quoi votre problème? Toi-même, Nguina Chankang, là, vous venez souvent vous chier n'importe quoi en passant là. Toi, tu veux plaider maintenant quoi? C'est quel morceau que tu arrêtes dans ce problème? Faut arrêter vos pépettes là. C'est quoi même? Franchement, vous ne connaissez même pas ce que vous voulez prendre. Vous ne connaissez pas le groupe que vous devez arrêter. Vous êtes là, tout le monde s'embrouille dans tout. Et vous venez me parler de quelque chose que ça ne me concerne même pas. Est-ce que Journée d'Afam est rattachée au Cameroun? Est-ce que depuis vous avez déjà dit que je fais le Cameroun? Est-ce que comment mon événement fait d'abord l'hymne national du Cameroun? Vous m'avez vu là. C'est quoi? Bien quoi que moi? Bien quoi que moi? Vous me prenez quoi? Hein? Entre ceux qui disent que ça doit pas se faire, ça doit être boycotté, ça doit être ci, ça doit être ça. Le projet même, c'est quoi? Bon, maintenant, comme ça se passe seulement une journée, le 8, le 9, vous allez faire quoi? Quand le 8 va finir vendredi, le 9, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez arrêter quel bout? Si vous pensez que moi, je fais ça pour le Cameroun, je ne fais pas ça pour le Cameroun. Je fais ça avec l'ONU. Moi, peut-être avec l'ONU. Et quand j'ai quelque chose, moi, de mon devoir, que Dieu m'a béni, à mon vieil âge que je suis maintenant, que je regarde, je dis que merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce que je peux faire, c'est ce que je peux tirer ici au pays des Blancs que j'ai vu, et aller aider au Cameroun comme je fais. Comme je fais souvent. Et cette année, on a donné presque 800 plats de nourriture aux enfants de la rue, de notre petit niveau qu'on a pu. Vous m'avez même aidé à faire la quête de ça. C'est ce que je pense que je peux faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de que on a fait, on n'a pas fait, l'autre est mort, le dos poignardé, le comme ça. Est-ce que l'événement du 8 mars a quelque chose à voir avec ça? C'est ce que je veux que tu m'expliques. Madame, chose qui vient écrire là. Marceline dit que... Non, Marcelin, ne rions pas. Parce qu'il y a les sœurs, elles sont trop fortes. Elles veulent argumenter. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je comprends vos marches, vos plaidoiries, vos airs, you know, vous êtes choqués. C'est correct, c'est légitime. Ça dit que quelqu'un peut décider aujourd'hui qu'il faut que ça soit, que même qu'au pays, pour commencer à pleurer sa chose, qu'il veut savoir. C'est normal, je ne peux même pas. Ça dit que je ne suis pas avec vous dedans parce que j'ai choisi. La vie, c'est le choisi. Je choisis mes batailles. Lorsque là, me dépasse, je ne suis pas dedans. J'ai choisi comme ça. Mais ne m'amenez pas, ne venez pas me sortir de mes gants. C'est quoi le problème? Vous avez dit que vous ne voulez pas le pain. Je ne vous ai pas donné le pain, je n'ai pas le pain. Je ne le fais pas. Je vous ai montré que je ne le fais pas avec le pain, pas parce que je fais pour enrichir. Vous avez dit que le pain part ou ça fait quoi? Vous avez tellement de raisons pour ça. J'ai dit, OK, that's enough. Je pose le pain ici. J'ai posé le pain. Même celui qui m'écrit, j'ai des messages. Mav, j'arrive à Montréal, j'arrive avec des pains. Je dis, papa, on a dit qu'on ne veut pas le pain. Je réponds. Si vous voulez, je vous envoie les captures de ça. C'est quoi? C'est un procès que vous voulez me mettre.
ne venez pas malin. Moi, sur moi, mon cerveau, comme vous voyez, là, ça tourne souvent rang-cancan. Et si ça tourne rang-cancan, moi, il vient autre chose. Donc, il ne faut même pas m'amener dans ce côté-là. Je vous dis, je suis sérieuse là-dedans. Vous ne pouvez pas me priver dans votre chemin. Je vous dis ça. Parce que le tour, ce ne sera pas l'autre tour. Je suis plus, on ne me tourne plus dans les mêmes. Hein? Voilà. Franchement, moi, on me dit n'importe quoi, du ceci, du cela. Tu ne peux que dire ça, mais argumente. Si tu argumentes bien, je veux comprendre ce que tu veux dire. Tu n'es même pas capable d'argumenter. Vous dites, vous fêtez le Cameroun célèbre ça alors que. Mais allez dire ça là-bas. C'est là-bas qu'on va défiler. Allez là-bas sur la cour, là-bas parler. Moi, ici, est-ce qu'elle défile? Moi, elle défile. Vous avez dit que pour la soirée, elle ne veut pas le pain. Ma soirée commence à 20h, ça finit à 4h, 3h du matin. C'est une affaire de 8h de temps, même pas. 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h. Les invités n'arrivent jamais à 20h. Ils arrivent à 22h30, les invités arrivent. 23h, 24h, minuit, 1h, 2h, 3h. On discute de quelque chose que quelqu'un va porter peut-être sur 4 ou 5 heures de temps. Allez-y trouver les gens qui mettent le cabal au matin à 6 heures. Ils défilent jusqu'au soir. Ils défilent, ils dansent, ils pissent, ils soulèvent, ils font tout. Toute la journée jusqu'au soir. C'est là-bas qu'il faut parler. Parce que ici, là, c'est 4 heures de temps que mes gens auront tout ça. Ma part que j'ai déjà cousue, j'ai cousu pendant 4 années. Les 4 années que j'ai cousu, je n'ai pas porté ça deux fois. La seule année que j'ai porté ça deux fois, c'est l'année passée que j'ai fini ici au Canada. Je suis partie fêter encore à Paris. C'est là que j'ai porté deux fois la même robe dans un événement. Oui, après c'était dans la moire. Comme je vous dirais, peut-être si j'ai amené au nettoyer, tant mieux. Sinon, on va quitter dans la moire, ça va se m'aller au Cameroun pour aller faire don à quelqu'un. Vous avez compris, non? C'est quoi? Vu qu'il y a que moi. Vu qu'il y a que moi, nous, comme nous, un tissu, un pain. C'est quoi? C'est quoi? Bientôt, vous avez dit que mon mouvement ne doit même plus exister. Par rapport à quoi? C'est moi qui décide de faire les choses qui sont que je fais. Eh, puis non, nous, puis non, parce que depuis là, je vous vois venir. Puis non, nous, je ne veux pas. Mais tu vas me tenter. J'ai relu son message. Elle dit ceci. Le Cameroun célèbre vraiment quoi le 8 mars quand les femmes sont tuées avec les enfants au dos et tirées dessus à point à bout portant. Je pense qu'on doit plutôt pleurer la femme ce jour. Ma chérie, ce n'est pas à moi que tu vas venir dire ça. C'est au Cameroun. Il faut aller là où il y a les murs. Si RTV, ils ont les télévisions, les radios, les va là-bas écrit. Moi ici, je célèbre ici au Canada. Elle vient me dire ça. Pourquoi? Faut arrêter ça. Les gens ont leurs paroles. Ils veulent te donner, mais ils font façon comme si. Est-ce que je suis Cameroun? Je suis canadienne de nationalité. Quel pour comment prendre le visa? Arrêtez vos pète-pète là. Quel pour comment prendre le visa? Pourtant, on m'a dit qu'il y a un règlement, une loi qui dit que les femmes camerounaises ne doivent pas prendre le visa. Pourquoi quand j'arrive à l'ambassade pour prendre le visa, ils me disent pas que garde ton argent? Quand je partais au pays dernièrement donné, les médicaments d'une valeur de 5 millions de francs, c'est pas que j'ai eu avec un ONG pareil ici là pour aller donner au centre de Colombo. J'ai pris le visa. Ils pouvaient dire que madame, quand vous partez donner les médicaments de cette valeur, ne payez pas le visa. J'ai payé le visa. J'ai payé en express en plus parce que je devais partir vite. J'ai payé express. Ils pouvaient dire que non, oh vraiment, vous partez pour une cause charitable, ne donnez pas. Que fou. Faut arrêter ça, dis donc. On connaît. Nous connaissons ce qui se passe. On connaît tous. Et on sait que vraiment, on sait même là où on va aller. On sait où on va aboutir. Faut arrêter ça. C'est pas comme si on est innocent, là. C'est comment, non? Je ne porte pas. Point. Mais après, la suite, c'est quoi? Je vous ai dit que je me baisse. J'ai même la boutique qui va m'habiller. J'ai percé. J'ai la boutique qui va m'habiller, BCBG. Et dans la boutique, il y a peigné à bien. Crystal Fashion, Montréal. Non, je choisis la carte d'habit qu'elle veut. C'est facile. Non, c'est que c'est une dame qui vient mettre les commentaires, l'autre aussi vient renchérir, tout ça. C'est qu'elles sont comme si elles se promènent comme le mauvais esprit. Et puis elles viennent lancer les choses pour venir titiller les gens. Je comprends votre bataille. Je comprends votre doléance, votre désir, whatever. Pour glisser, non. Je vous ai donné ce que vous voulez, non. C'est quoi encore? La suite, c'est quoi? Quand il vient ce moment, ma bitumsi. Si vous avez mis l'eau, vous m'avez mis dedans, pardon. Bitumsi. Je ne suis pas dedans. Je célèbre au Canada un événement initié par l'ONU. Organisation des Nations Unies. C'est pas moi. Là aussi, dissoudre ça. Nani. Coucou, ma, de Paris. Je suis calme. Quand elle m'a sorti de mes gants, elle partait derrière. Il y a un film de dire, vous êtes encore venu, comme vous avez vu qu'elle était en train de faire comme ça là. Qu'est-ce qui a encore fait la merci? Comme quand vous passez, vous voyez ce genre, vous dites, la merci. Il n'y aura pas le pain au Mbonga, quelque chose. À part ça, mais est-ce que alors c'est le pain que tu as écrit alors? Tu n'as pas écrit le pain, tu as dit qu'une personne est morte, l'enfant au dos. Elle était morte quand? Le jour là, c'est le jour où il fallait marcher. C'est le jour où il fallait faire une pétition, signer le papier et courir partout. On ne peut pas attendre parce qu'on a cru, on a cru, puis on vient maintenant un jour, on prend maintenant tous les choses, mais quand quelqu'un veut faire quelque chose, on dit que l'autre est mort, l'autre est mort, on ne vit plus. Pas vu que même continuer de vivre, on ne va plus vivre, même ça. Non, mais attendons, franchement. Non, je me suis énervée parce que hein,
Franchement, excuse-moi là, Ngona ou quoi là. J'ai même failli m'aller te bloquer parce qu'il y a des phrases, tu finis un direct, tu lis, tu te dis, mais les gens, ils veulent même quoi. Parce que après avoir accommodé les gens, on ne peut pas te demander de donner une fois ton corps là, tu sais. C'est quoi? On ne doit pas célébrer le Cameroun. Mais moi, je ne suis pas au Cameroun, moi, je suis au Canada. Je suis en train de célébrer ça au Canada, dans la législation du Canada. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, les gens qui vont intervenir, c'est la police du Canada. On est au Canada. Je ne suis pas au Cameroun. De quoi on parle là? On n'est pas dans le même disque. Oui, on n'est pas dans le même disque. Quand même. Non, franchement, hein, faut faire attention. Et quand elle m'énerve, hein, on ne peut pas savoir. Moi, là, comme je suis gentil, je ris, quand elle m'énerve, on ne peut même pas me tenir. Pardon, une 50 pompiers, ou bien. Comment? Je m'énerve mal. C'est quoi la blague? Andrew Bertini. Je wonder. Nguyen dit quoi? Nguyen dit que quoi? Son autre message, c'est quoi? Dès qu'un but, c'est le chantage. Parce que c'est comme ça que vous êtes toujours. Dès que quelqu'un va répondre, tu vas dire que bon, comme tu vends là, à faire ceci, j'ai choisi qui? Dans tout ça là, j'ai choisi qui? Pourquoi tu dis que take care of your business, take care of ceci? Tu vas venir me payer quoi? Tu peux même la politique sur ma tête. Je n'ai pas. Guina, chacun, je ne peux rien dire. Ou là, je vois un chou là. Faut même pas, je parle trop. Faut me laisser. J'ai fini même mon direct, pas déjà. C'est comment même? Maman, elle m'entend seulement. Moi, hein, j'ai 5 minutes. Si tu me cherches, parce que quand elle finit, comment? Tout le monde finit bon, non? Est-ce que c'est un problème de venir folle là, tout le monde? C'est comment? 5 minutes, une fois. Je connais leur jeu, ma chérie. Je connais leur jeu. Je les vois venir depuis sa gîte là. L'ignorance intentionnelle, c'est ma devise. Mais sauf qu'il y a des mots que je ne prends pas quand même. Il ne faut pas que quelqu'un profite de la pluie pour chier dans le torrent. Attendez là. Je n'ai jamais, en aucun jamais, même dit que je vais vendre le billet, je vais donner pour ceci. Moi, il y a mes mouvements que je plaide déjà dessus. C'est pas beaucoup, ma. Donc, mes choses que je fais déjà là, c'est beaucoup, non. Donc, elle finit. Par rapport, si ces soirées bénéfices, c'est pour partir pour faire telle chose de mes choses. Mes choses sont là beaucoup. J'ai une feuille de route annuelle que je respecte et que je fais. Alors, est-ce que j'ai encore besoin d'ajouter quelque chose d'autre? Ou pour voiler vos yeux, pour vous flatter que vous venez. Que veut dire que je vais faire ceci pour telle chose pour que vous venez. Pardon, ne venez pas. Ah, bah, que. C'est tout. Quand quelqu'un ouvre le comptoir au marché, c'est que aujourd'hui je vends ou demain je ne vends pas. C'est quoi? Comme quand on prend la viande, on met devant la bouche du chien, on tire comme ça, c'est quoi? Après le 8, le 9 sera là. Après le 8, on aura le 9. Bon, le 9 va arriver. On fait comment le 9? Ouais, c'est ça. Arrêtons de mettre l'énergie sur des choses qui ne nous écoutent. Et tout ça pour nuire à son semblable. Yeah! Oh là là. Le thème, c'est bon chic, bon genre. Et le thème sera basé sur le thème de l'ONU. Et le thème de l'ONU est très intéressant cette année. C'est l'égalité pour ligne de pensée. Bonjour, l'égalité pour ligne de pensée. Donc, femme, homme égal pour ligne de pensée. Et construction intelligente et changement par l'innovation. Doré. Construction intelligente. Donc, pensez intelligemment. Ne prenez pas un truc machin, venir. Quand vous sautez dans les directs des gens, vous écrivez, vous chiez n'importe quoi partout là. Intelligence. Vous, tout le monde. Construction intelligente. Donc, moi qui relis ta phrase et dit que est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça colle avec ce qu'elle est en train de dire? Parce que je n'ai jamais dit que tant que c'est quelque chose au Cameroun. Tiens, Bruno, je célèbre ici, je suis à Montréal. Voilà. Il fallait écrire quelque chose qui concerne Montréal, que la journée de la femme de Montréal, ou bien la communauté camerounaise de Montréal ne devait pas gnagner. Là, j'allais te répondre. Et même la communauté camerounaise de Montréal, j'allais te répondre parce que je suis communauté camerounaise, je suis canadienne. Je n'ai plus le passeport camerounais. Quel camerounais prend le visa? Je paye. Quel express, je paye. Même qu'elle partie donner un médicament d'une valeur de je sais combien, je paye le visa express. Pareil. On ne m'a pas dit que oui, madame, qu'on va t'aider là, ne payez pas. Moi, je paye un ampian. Vous comprenez? Non. Et j'ai lu que les femmes camerounaises ne changent pas de nationalité. Les nationalités restent. Ou alors ça? Est-ce qu'on m'a même dit ça un jour? Et ça m'a dit un jour que oui, comme tu étais camerounais avant, tu étais camerounaise, voici ton passeport. Ou viens même payer 200 dollars pour faire le passeport. On m'a même dit. J'ai entendu ça dans les choses que vous êtes en train de dire maintenant. J'ai dit que hey, donc c'était comme ça. Pardon. La Bible dit que mon peuple paye faute de connaissance. Pour l'autre, on est ignorant le feu sort. Oui. Le changement est monté derrière soi jusqu'à le feu sort. Oui, je vais les chauffer. Quand on voit ça, ça fait un genre. Le changement par l'innovation. Mm-hmm.
Si tu vois quelque chose, c'est bien. Tu veux ajouter une touche. Si tu n'es pas en train d'innover, ne touche même pas. Laisse ça comme cela. On vous connaît. Tu vois, souvent quelque chose, c'est bien. Tu t'en vas, tu peux encore pour gâter même seulement. Mm-hmm. Tu penses que ça devient poussière. Parle poussière. J'ai parlé. Pardon. Je vais me taper. Donc, c'est ça. En fait, j'ai fini. Hein. J'ai fini. C'est bon, là. J'ai même un peu foutu les boules, là. Mais il ne faut pas fâcher, nous, s'amuser. Hein. C'était juste pour répondre. Et toi, Ngo, ma chère, là, pardon. Quand tu écris, relis-toi un peu. Parce qu'il y a des choses que quand on lit, là, la tête fait rancantant. Parce que c'est comme si ça devient comme si c'est un premier degré de quelque chose qu'on veut nous coller, là. Moi, je me sens responsable de rien, là. Rien, 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 là. Parce que ma vie, mon avenir n'était. Mon avis était très flou quand j'étais au pays. Très, très flou. Si je n'avais pas quitté ce qu'il devait être rien. Ça, je sais. Parce que mon nom, même déjà, ne m'aide pas. Vous voulez quoi? Tu vas le faire comme elle arrêter d'exister? Oui, Bertini, salut mon frère. Namori Bene Yanchami. Ça ne peut pas donner. Ils ont déjà essayé plusieurs fois. Ils ont fait des alliances. Ils sont restés divisés, subdivisés, divisés par 50, par 25, par 100. Nous, on regarde seulement. On a choisi de ne pas adresser les choses parce que je choisis mes batailles. Quand, comme je n'ai pas beaucoup d'énergie à aller dans un certain nombre de choses, je choisis mes batailles. Je n'adresse que ce que je trouve que mon dos peut supporter. Quand ça me dépasse, quand je n'ai pas d'argument, je ne suis pas dedans. Mais je me connais. Oh. Si je ne peux pas bien expliquer, non, je ne dis rien. Parce que où tu dis, tu fais bien, ou tu ne fais pas. Et je fais partie de ceux qui aiment bien faire, donc je ne fais pas. Et ceux qui ne veulent pas bien faire. Il y a des bouts que je n'ai pas tous les éléments du puzzle. C'est compliqué. C'est aujourd'hui que j'entends que certaines Camerounaises existaient. Quand j'entends dans les bavardages, je parle de ces derniers temps-ci. Je savais qu'elle me dit. Pardon. Je vais me taire ici, là. C'est en bavardant beaucoup, l'aura dit qu'elle a dit que. Je vous connais. Elle est partie, la partie, là, seulement que vous allez couper pour dire que voici ce qu'elle a dit. J'ai parlé d'un pian. Une tête de mort, j'ai encaisse. T'en voyons, gata, tu vas confirmer. Nani. Franchement, on est où là, là? On est où là, là? On est où là? Oh. Franchement, là. On est où là, là? Je suis restée beaucoup. Hein. Hey! C'est à ma fin que je suis encore restée jusqu'à. Vous connaissez, vous mettez les têtes de moi, après vous enlevez. Vous mettez les têtes de moi, vous le laissez. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. J'ai mis le numéro, vous n'avez même pas appelé. Vous mettez les têtes de moi, vous le laissez. Si vous enlevez les têtes de moi, c'est que vous allez lâcher. Tu mets la tête de moi, tu le laisses. Ça va être la dernière fois que tu vois une belle mère bio comme moi là. Bio de haut en bas. Oui. Et en passant, j'utilise déjà les produits FDL. Vous faites un direct spécial avec. On va faire regard sur l'invité d'honneur. Vous êtes fatigué. Bonjour Vanessa, comment tu vas? J'ai mon dico prêt. Ah, Bettini! Bettini! Ok, mon frère, c'est le dico pour écrire quoi? Dicter? Prenez cahier, marquez dicter. Prenez dicter, marquez cahier. On est à l'école, prenez dicter, marquez cahier. Aïe! Bonne nuit, mes amours. Je vous aime, je vous adore. Faut pas fâcher, nous s'amuser. C'est ça, quand on sort quelqu'un de ses gants, elle peut aussi. Hein, voilà. On est humain, voilà, on est humain et voilà, on a tous non, voilà. Rendez-vous vendredi 8 mars avec l'indétrônable, l'inébranlable, l'infatigable, l'incontesté star, hein, confirmé, neuf de Facebook, la reine mère Fleur de Lille sera des nôtres. Confirmation confirmée, il n'y a plus de doute, l'ombre de qu'un doute. Je remercie les partenaires, je remercie les commanditaires, je remercie les personnes qui m'ont toujours soutenue. Je remercie, n'est-ce pas, tous les abeilles de la team. Je remercie mes étoiles de followers que vous êtes. Je remercie tout le monde. Je remercie même mes détracteurs parce que vous, là, vous me faites, n'est-ce pas, ne pas avoir droit à l'erreur. Vous êtes mon adrénaline. Vous me faites être comme ça, la droite, là. Je suis toujours obligée de me mettre au pas. Mettre au pas, mes détracteurs. Oui, vous calculez, vous faites, vous macaquez. Moi aussi, je commence à travailler mon mindset et tout. Et avec le thème de cette année de l'ONU, c'est un thème qui me va comme un gant. Et je suis contente de ce thème parce que je vais m'accrocher sur ça comme sur le serpent.
aller trop vite. Voilà, je vous aime beaucoup. Maman, c'est Nja. Eh, Nja, Zubanja, où serez-vous? Dis à tes followers, Barante, de ne pas écorcher le médium. Nja, Zubanja, où serez-vous, Nja, Zub? Moi, Zub, je vais tuer quatre chefs. J'étais cherché pour venir payer la coutume, je ne t'aurais pas trouvé. Ah, pour moi, Zub, vraiment, un bouquet manqué, respect, ou Nja, Zub. Eh, ok, bonne nuit à vous. Je vous aime, je vous adore. Bye. Attends, comment faire ça? Bye. Bye. Ok, je ne vais pas partir. Bye.